Bonsoir tout le monde, bonsoir, non pas M. Bertrand. Et M. Regional Vice President avec FIS. Moi, expliquez-nous très, très rapide comment on a pu apprendre et comment on a touché les nous signer dans la compagnie. Ça. So, moi, expliquez-nous, lorsqu'on signe dans la compagnie, ça va être un agent, comment la compagnie après le paye et qui ça pour faire exactement pour qu'on touche dans la compagnie. So, pour ça, moi, je vais le faire, ok? Moi, expliquez-nous, lorsqu'on signe un client, trois différentes façons que nous avons touché sur un client que nous signons en compagnie. So, première façon que nous avons touché l'un de nos clients en compagnie, il y a direct commission. Si nous avons suivi avec, direct commission là, et ça veut dire qu'on va toucher directement l'ancien client depuis upfront, depuis en avance. L'ancien client, c'est pour client payer $89 pour un jet crédit, plus la payer $99 qui c'est frais d'activation. Même genre la première fois pour un bill internet ou pour un bill cable TV, première fois acheter un téléphone, yo gon frais d'activation que yo charge. Même genre dans business alors fait signe pour un client, yo pour un crédit, yo charge un frais d'activation qui c'est $99. So, le client paye premier mois qui c'est mois et pour un mois par mois pour un crédit, OK? So chaque mois nous charge $89. Premier mois c'est $89. Plus frais d'activation $99, ça vient faire client payer $188 pour un crédit. Compagnie en ba ou $100 dans $188 client payé. Mais sa compagnie en fait, yo met $1 sous frais d'activation qui c'est $99, yo dit frais d'activation lig pa ou, puis yo ka ba ou un numéro qui paye, ça veut dire un numéro qui commence à 0 2 4 6 8 10, yo met $1 sous li au lieu de toucher $99 ou fait $100. So, tout maintenant tête tout, n'importe là si on client à $188, ou va toucher $100 sur client ça. Now, bon pour exemple avec nous, ce sont moun ka brasser dans business ça, ou prend business au sérieux. Long mois, dans 30 jours, ou si 20 clients qui range crédit ou qui paye $188, comment faire $100 par client? Sou si 20 clients multiplié par $100, ou fait $2000 pour moi dans business ou part-time. Combien vous pouvez payer pour entrer dans business? $288. Ou mettez en position chaque mois, ou si 20 clients, ou fait $2000. Est-ce que son bon business lié? Of course, son bon business lié. Bien sûr, son bon business lié, son ka fait $2000 et chaque mois dans business parce que si y a 20 clients seulement ou si y a $180 chaque client ou $100 par client, le mois on fait $2000 et on $280 pour rentrer dans business là. Deuxième façon ka si client qui doit dire comme ça, on ça passé, moi pas gagné $180 pour commencer à crédit et j'aime traiter business moi c'est comme si son Walmart. M'pa vle sorti dans business moi sans pas bon rien parce que les m'a pris l'eau semaine prochaine on doit et m'pa attendre encore ou pas j'aime gè cob lan emergency rivé ou pas j'aime signer pour crédit. So ça m'a fait mando et ou tu pas gagné $180, combien cob ou manquer pour gagner $180. Sou di mou gen 120, m'di fait rivé 138. Sou di mou gen 150, m'di bon bagay, n'ap si yon pour 138. Ça me fait nous retirer $50 discount nous ba ou au lieu payer $188 payer 138. Mais comment le marché $89 par mois ou pas ka ba discount la dan client toujours payer $80 par mois mais sa compagnie en fait compagnie dit frais d'activation $99 yo ka retirer $50 la dan ce client paye frais d'activation parce que son nouveau client lorsqu'un nouveau client paye frais d'activation $49 son client paye en total $89 plus $49 qui bon $138. Comme frais d'activation lik pour vous, compagnie a mette $1 sous li, so touche $50, lorsque un client a $138. En pour exemple, sous si un 40 clients pour moi, lorsque 40 clients ça aussi pour moi, te si un discount dans $138, parce que vous avez un discount, ça veut dire que vous avez plus clients. 40 clients ça, qui pour vous faire? Sous si un 138 fait $50, vous faites 40 clients multiplié par $50, vous still fait $2000 pour moi, dans un business qui vous avez dépensé $288 pour entrer dans le business. Soit fait consistamment $2000 par mois, dans une année, ça fait à peu près $24000 pour l'année. On peut se sentir là, nous payer seulement $280, il vaut la peine pour vous. Now, troisième façon que vous pouvez toucher dans la compagnie, troisième façon qu'a signé un client dans la compagnie, vous pouvez avoir un discount côté client seulement payer $89 pour commencer le programme pour un crédit. Ça passe, client payer $89 qui c'est premier mois. Frais d'activation, nous ne voulons pas payer aucun coût pour frais d'activation. Discount, ça, m'a dit que c'est un bon ami, close friend. M'a dit que c'est une famille, c'est un bon discount. Ça, m'a dit que c'est un bon passé. Moi, je n'ai pas gagné 188, je n'ai pas gagné 138. Et il y a son moment, on papa, on bon famille, on connaît un mauvais crédit, on bon ami, peut-être ménage ou, so ou bal discount là $89, côté moun nan seulement payer
$89 pour commencer le programme pour un jeu crédit. Comme pas un frais d'activation, il sort fait comme profit. Sur ça, vient passer $0 ou fait qui a l'empoche ou pas fait un good up front qui a l'empoche. Bon, pour exemple, sous son brasset, même j'avais, ou son brasset, même j'avais Jim Boussico, même j'avais Olivier, même j'avais Curtis Cassius, ok? Même j'avais un pile monde dans le business, Jessica Zephyr, Carlos Dupera, un pile monde qui a fait un pile résultat dans la compagnie, donc Doc Moïse tout, ou si un 100 clients pour moi, l'offre 100 clients pour moi, ça aussi, en sous-tessin à $188, ou fait 100 000 à $188, ça fait un total de $10,000 que ou fait pour moi dans le business. Pensez au business qui entre là dans le pays, $288, ou vin fait $10,000 la donne dans le business pour moi. C'est son mon business lié? Yes, c'est un mon business lié. Now, deuxième façon que vous avez touché dans la compagnie, ça, nous avons ça residual income. Qui ça qui residual income? Nan? Residual income, nan, c'est l'offre de bagarre une fois ou toucher pour lui encore et encore. N'est pas gros business, nous avons touché residual income. Yo vont gros business, yo travaille 10 dans gros business là. Gros business là stable dans 3 à 5 ans, même si on va moins business là encore business still continue à payer l'argent. Même j'en mettre travail cotoyer, mettre business cotoyer, mettre travail sans gros pas. J'aime rencontrer mettre travail là, mettre store, mettre magasin. Bon, mettre magasin, du moins quelqu'un t'a ouvert magasin ça. Magasin prend, magasin stable, il toujours à toucher chaque mois dans magasin, l'a toucher profit parce qu'il y a un business qui vont seule fois. Même j'en gain residual bill, chaque mois payer bill téléphone ou payer bill assurance ou bill machine ou et chaque mois payer bill car ou pour qu'ils soient pas avec residual income dans la vie. Residual income c'est plus belle bagarre qui existait. Le monde musique là, il y a les sa royalty. Next to Michael Jackson, OK? Next ça yo, tant que Drake là au fond musique son hit record chaque là où je musique là la radio n'a yo gon quoi y a touché chaque là où je musique là dans YouTube n'a yo a touché chaque là où je musique là dans téléphone ou dans iTunes dans Apple Music n'a yo gon quoi y a touché selon business ça l'onti gens différent dans business yo le residual income mais comment le marché chaque là si un client chaque mois client paye $89 pour un jeu crédit client dans programme pour 3 mois à 6 mois OK il va prêter pour année non 3 mois à 6 mois fait client connaît li obligatoire pour dans programme pour 3 mois 6 mois chaque client paye $89 va toucher $12 pour client ça now pour qui ça client paye $89 par mois parce que nous pas arranger crédit client parce qu'il juste paye une seule fois il paye 188 ou bien il paye 138 ou bien il paye $89 une seule fois c'est 3 mois 6 mois pour ce temps prend pour arranger crédit au monde OK et compagnie et di affordable li pa chaje pil kòb l'autre côté yo chaje plus kòb pour un crédit maintenant compagnie ça seulement $89 par mois ap ki ap range crédit so ou li client al paye bill l'hôpital ça ki $1,000 ou li client al paye bill collection ça ki $2,000 $3,000 $5,000 ou li la paye charge of ça car possession ça client pa encore pou paye il plutôt li paye nous pour ka retire ba négatif ça dans crédit kun retire ba négatif ça collection de l'hôpital ça yo nous tout éliminer comité droit par dans pays ça encore so li fait sens pour payer $89 par mois pour dans programme so chaque client paye $89 toucher $12 par client donc pile nous la cap dit comme ça oh ti cal comme ça toucher bot l'on comprend gros compagnie tant Netflix yo touche en pile cob yo font pile cob pour qui ça passe yo grand pile client dans système là cap paye $7 par mois pour service yo so même genre dans programme pa nous nous grand pile client qui entre ou va venir toucher en pile quoi ça fait ça $12 ça le multiplier le pas en pile client gain ça vient bon pile l'argent bon pour exemple avoir on dit gain 20 clients dans système là pour un crédit yo leur fait 20 multiplié par 12 ça fait $240 ou fait pour moi on dit que 50 clients dans système là cap payer pour un crédit 50 clients multiplié par 12 là bon $600 pour moi on dit gain 100 clients dans système là cap payer pour un crédit ou te signer 20 moi en haut de signer on l'autre 30 qui boit 50 et puis moi soit 50 encore ça vient bon un total de 100 clients là fait 100 clients ça multiplié par 12 il vient bon $1,200 chaque mois garanti qui vient dans poche même si vous dépensez tout cob là ou bouler ou dépensez tout cob là net mois prochain client yo peut continuer gain crédit orange ça pour faire c'est pour payer $89 par yo là on paye $89 par yo on toucher $12 par client vous fait 100 clients multiplié par 12 li bon $1,200 vient dans poche la poche chaque mois OK pour qui ça va se client payer bill par là pour ranger crédit on va toucher $12 du moment que client dans système là $12 continue à venir dans poche chaque mois la vini so sou ou mettez garçon sou ou gen 100 clients dans système là ou fait $1,200 chaque mois dans compagnie ça
Now, troisième façon pour pouvoir toucher le client, c'est le override residual income. Pour que ça noue le override residual income, parce qu'il ne va pas dépendre de où seulement pour toucher. Mais même si on a un business, ça, on va faire comme second job, on va payer 5 clients, 5 clients, 5 clients. On va faire comme si on a un business qui a marché sans moi. Et c'est ça qui fait nous construire une équipe dans le business, parce qu'il y a une opportunité pour amener l'autre monde pour faire business avant, pour toucher les 5 clients. On, pour exemple, comment le marché. On dit ça, c'est vous-même. C'est you. OK? Ça, c'est vous-même. Vous venez avec un agent qui c'est moi-même. Ou entre dans business là ou relè mou di Bertrand mon gros business pour ou ka fait comme dans business là légal et il y a pour arranger crédit. OK, de pou si moun nan compagnie pour arranger crédit ou a touché me dit ah mais même son brasser mié nèg pas près moi yé la game dans business là depuis légal moins là m'entre dans business là chaque lè que moi même m'allem si un client. OK, on dit m'relè ma tête moi me dit ma tête moi comment crédit en yé ma tête moi dit crédit pas bon me dit ma tête moi supporter petit garçon supporter niveau. OK, ça passe monter compagnie là qui est des moun rage crédit yo m'a montre preuve résultat qui est des moun rage crédit yo m'konn besoin son car m'konn crédit pas bon vinn ton client pour rage crédit et ou va supporter tout ou supporter nephew ou supporter niveau ma tête moi dit comme ça pas rien problème m'a rentrer parce qu'il pas trop cher et m'a supporter et me rage crédit m'ka son car j'ai plus que 15 20 ans aux États-Unis m'pa jamais posséder un car. Now, ma tête, chaque mois, ça pour le faire, c'est pour payer $89 pour un jeu crédit. Parce que c'est moi qui te viens à ma tête, chaque mois, je paye $89 pour un jeu crédit. Ma tête, son client lié, je touche $12 pour ma tête. Même je vais t'expliquer nous là, dans le Wizard Income. Non, ça ne peut pas passer parce que c'est moi qui te viens avec mon business. Moi, tu as l'air ma tête, moi, même quand ma tête, moi-même, je viens avec le système de nos clients, chaque mois, je paye $89. Et non seulement je touche $12, ou même ou ap touche $3 sous ma tête moi qui sont clients dans le système là. So, mais même qui sont agent bao, chaque mois si un client, chaque les clients dans le système là paye $89 ou bien chaque mois la paye $89 par là, ou ap touche $3 sous client parmi eux qui peut entrer. Ou pas de gon ken rapport à ça et pas que si un client yo, ou pas comme client yo, ou si la touche $3 sous chaque client qui est entré dans le système là. Now, $3 ça va venir dans pile cob si nous accumuler, moi aller montrer nous ça très bientôt. Now, on l'autre cob va toucher encore chaque les même qui sont agent parce que moi dans système non sont agent chaque mois c'est pour payer $89 pour ranger crédit pam tout ou bien $89 pour carré dans programme pour me ton agent pour me toucher dans compagnie chaque les payer $89 pam nan va toucher $3 sur moi qui sont agent bao. OK, est-ce que ça fait sens? Chaque les moi payer $89 par mois, moi qui sont agent en bas, on va toucher $3 sous moi qui sont agent en bas. Non seulement on va toucher $3 sous client que moi j'ai signé, la vente n'est pas chou, et puis on va toucher $3 sous moi l'MPI bill par mois. Now, nous avons un programme dans la compagnie à côté de son agent, on a 5 et un woman, on a 5 personnes qui signent dans le programme, on ne pas payer $89 par mois encore. Même si on ne pas payer $89 par mois encore, service gratis. Ou bien moi refait 5 clients moun sa refait 5 l'autre client service gratis moi que le supposé payer bill li en jour te supposé payer bill li nan mois et sa compagnie a fait y a still payer $3 y a still payer yo $3 ça. OK, même si m'te gen 5 clients service moi gratis moun jour m'te supposé payer bill moi ou a still toucher $3 ça même si et customer ça m'te signé qui te matin moi ça c'est même pas vrai même si il refait 5 clients service par la gratis il va payer $89 ça encore il a still payé moins $12 il a still payé $3 so et chaque les clients payer bill nous toucher $12 chaque agent payer bill par nous toucher $3 et même si client il service gratis ou bien agent il service gratis ou a still toucher $3 ça ou bien $12 ou bien $3 ça ou a still toucher dans le système, nous still touché. OK? Now, même qui sont agents, si moi aller, venir avec un autre agent, bam, les agents pam nan payer billi, ou touche l'autre $3 sur agent pam nan tout, chaque les agents pam nan payer billi. Et les agents pam nan aller si un client, client payer billi, ou still touché $3 sur agent pam nan que moi rentrer en bam nan. L'autre moun rentrer dans business, qui fait business avec, qui me ton agent, les moun ça les clients parle tout, ou still touché $3 cap vinn jwenn ou en l'air là. Parce que c'est où qui t'entre et puis même à l'entrée de moun nan. Et ça qui fait un business en café en pile l'argent, parce que nan kon son gros équipe, n'importe sa équipe l'en fait ou bon pourcentage ou touche la donne. So bon pour exemple avec nous, pour qui ça le fait sens, lor kon son équipe, so yon 50 agents dans le système nan, ou fait 50 agents sa yo, ou idio si yon 20 clients, 50 l'en si yon 20 clients chaque, ça fait 1000 clients. Qui soit préféré pour montrer 50 agents sa yo si yon 20 clients, pour qu'il y ait 1000 clients dans le système, ou bien pour chita, pour qu'on tout, pour dégager aussi 1000 clients pour un mois.
la trop travail pour vous. Moi, soit prendre 50 agents ou 20 clients chaque, mais plus facile côté cassier plus client gain 1000 clients dans système là. Now, bon pour exemple à vous, si gain 1000 clients dans système là, OK, qu'a payer un crédit, ça veut dire parce que gain 50 agents qui a des 20 clients chaque, 1000 clients ça leur payer bill yo, pour toucher $3 pour chaque et client ça yo l'a fait 1000 multiplié par 3 ça vaut $3,000 qui garantit qu'a venir dans poche chaque mois dans business nan. Ça le override your income ou toucher pour bagaille ou pas fait ça le leverage ou dormi comme la pour toucher pour qui ça équipe l'a signé un client. OK, l'équipe l'a signé un client, équipe l'a signé l'autre agent tout, agent ça a signé un client, agent ça a payé bill de $80 par mois yo ou toucher et $3 pour client que et moun ki nan ekip ou ante signé an, lè paye $89 plus agent sa ki entre dans système là lè paye bill touche $3 lè agent sa signé on l'autre agent sa paye bill touche l'autre $3 on kap vinn jwenn nou lè agent sa signé on client paye bill li ou l'autre $3 kap vinn jwenn nou tout kap monte vinn jwenn nou et ça fait rele overdrive income sou fè ça jan nou montre là jan système nan montre là pou gen on n'importe $3,000 vinn jwenn nou chaque mois kap vinn jwenn nou nan bank account tout parce que gen 50 moun nan système nan montre comment peut signer 20 clients ou touche $3,000 parce qu'on touche $3 pour chaque client moun sa ou entre dans le système là. OK, so me souhaite tout bas fait sens pour nous. Si vous avez des questions, juste poser question, gâte vidéo ça puis share li partager la avec équipe nous comme content parce que participer non pas monsieur Bertrand et puis au revoir tout le monde. Merci beaucoup, au revoir.